Monsieur Aboubaka Diakité di Toumba. Oui, maître. En réponse à l'une des questions du ministère public. Oui, maître. Et à l'un des conseils des partis civils, vous avez déclaré tantôt vous ne connaissiez pas Monsieur Blaise Goumou. Tantôt Monsieur Blaise Goumou serait de l'un des organisateurs du recrutement de Kalea. Ce qui me paraît ambigu. Donc, qui vous a donné cette information selon laquelle Blaise Goum serait l'un de ceux qui ont organisé le recrutement de Kalea? C'est la question. Je vous ai dit, ce n'est pas caché. Moi-même, j'ai vu. Tout au sur et au vu de tout le monde. Ça, ce n'est pas dire c'est comme ça. Je vous ai décrit. Est-ce que vous avez la preuve, ne serait-ce qu'une note de service désignant ou nommant M. Blaise comme l'un des encadreurs ou des formateurs relativement à ce recrutement? Je n'ai pas de réponse. La Cour appréciera. C'est que ce n'est pas fondé. C'est que votre déclaration n'est pas fondée. Ne discutez pas la réponse. Il a Merci. Répondu. Merci, M. le Président. Parlant des proches du président Moussa Dadis Camara, vous avez largement exposé dans les moindres détails l'avènement du CNDD. Comment le CNDD a pris le pouvoir? Quelle a été votre contribution? Si je peux même emprunter votre expression, vous avez bataillé pour soumettre le camp adverse à l'autorité du capitaine Dadis. Vous l'aviez aidé. Vous étiez même son conseiller spirituel. Et vous avez été nommé comme son aide de camp, comme commandant de la garde présidentielle. Alors, dans ces conditions, M. Diakité, est-ce que, pour parler de personnes proches de Dadis ou bien de personnes de confiance du président Dadis, n'étiez-vous pas la personne la plus proche et l'homme de confiance du président Moussa Dadis Camara? C'est ça la question. J'étais, je l'ai dit, le premier trimestre, voilà. J'ai été clair par rapport à ça. Premier trimestre, tout allait bien. Mais après tout, ce qui est advenu, j'ai expliqué, voilà, c'est fini. À votre arrivée au stade du 28 septembre, avez-vous trouvé des hommes en uniforme ou des militaires dans l'enceinte ou bien aux alentours du stade? Ah, c'était la pagaille là-bas. Je vous ai dit, voilà, ça courait un peu partout. Voilà, les punais, voilà, étaient allumés. Voilà. Mais ma question, je reviens sur ma question. Tchegoro était là-bas. Est-ce que vous avez vu des militaires? C'est ça. Tchegoro était là-bas. Les policiers aussi étaient là-bas. Maintenant, ces hommes-là portaient quel béret? Béret vert ou béret rouge? Non. Les hommes de Général Baldé, ils portaient béret vert. Béret vert, béret noir. Béret vert, béret noir. Voilà. Il n'y avait pas de béret rouge? Il y avait des bérets rouges. Donc, il y avait trois couleurs de béret. Oui. Béret vert, oui. Béret noir, oui. Béret rouge. Oui. Merci. Vous avez déclaré hier que le président Dadis vous disait souvent que Blaise vous demande. Hein?
Vous avez déclaré hier que le président Dadis vous disait souvent que Blaise vous demande. J'aimerais savoir de quel Blaise parlez-vous? Ah, le président du Burkina Faso. Ah, c'est le président du Burkina Faso. Aha. C'est de ce Blaise dont vous parliez. N'est-ce pas? J'ai répondu, maître. Ok. D'accord. C'est pas Blaise ici. De... Ok. Ah, d'accord. Mais c'est pas... Voilà, c'est pourquoi vous avez voulu cette voilà. Précision. Oui, voilà. Oui. C'est pourquoi je demande de quel Blaise. Quand j'ai parlé de Blaise, j'ai parlé s'il de vous plaît, Gengere. Une autre question, maître. Ok. Merci, monsieur le président. Vous étiez parti au stade du 28 septembre à la recesse du président Moussa Dadis Camara en compagnie de M. Foromo. Oui. Selon vous, où se trouve présentement M. Foromo? Ma dernière information, on me disait qu'il gardait ce... Le ministre Papakoli, maintenant je ne sais pas. Et je crois, j'ai appris avec deux personnes que Foromo a fait une publication comme quoi qu'il était en fétiche, qu'il confirme ce que Toumba dit. Ah bon? Ça, c'est dans ces deux jours-là, il m'a informé. Ah bon? Que Toumba, hein? Ah, d'accord. Qu'il a confirmé que ce que Toumba dit, que tout est vrai. Okay. Mais je ne sais pas. Autre okay. Question. Est-ce qu'au moment opportun, nous pouvons solliciter au tribunal d'ordonner la comparution personnelle de M. Foromo pour confirmer votre déclaration? Nous, on l'a déjà cité, maître. Ok. Merci. Relativement au recrutement de Kalea, vous avez soutenu que les organisateurs de ce recrutement et même les recrues, c'est-à-dire les personnes recrutées, étaient des proches du président Dadis. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Cependant, oui. Vous avez déclaré tout à l'heure, vous avez donné des détails, avoir reçu un quota au même titre que Général Sokoba Konaté, Koplan Pibi et tant d'autres. Oui, oui, chargé de faire quelque chose et celui qui demande fondé. Ceux qui sont chargés, voilà. Nous, on a demandé pour bénéficier. Sinon, on n'allait pas l'avoir parce que c'était spécifique, le recrutement. Ah, c'était destiné uniquement à la forêt. Il y a des ceux qui, même qui sont partis, il y en a qui ont fait des accidents là-bas, gravement blessés, revenus. Ce n'était pas caché. Maintenant, ce que je vous dis, c'est ça. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir. Oui, maître. Les personnes qui composaient votre quota, le nom de personne qui vous a été attribué, ces personnes étaient-ils aussi des proches du président Dadis ou bien. Vous avez soigné librement vos hommes. Bon, ça, c'est au quartier. Ça dit mon milieu à l'aviation là-bas. J'ai demandé les familles, j'ai dit voilà, les enfants, tel, tel, tel. D'autres sont dans l'armée, ils sont toujours là. Les gens les connaissent encore, les personnes que moi j'ai incorporées. D'autres sont aux forêts, les 16 là. Donc, ils ont été repartis comme ça. Donc, mais vous... ils n'ont jamais été à Kalea et ils ont été à Cancan. Donc, vous les avez librement choisis, selon vos critères, n'est-ce pas? Maître, moi, je n'ai plus de réponse par rapport à ça. Merci. Le tribunal appréciera aussi. Selon vos déclarations, relativement au massacre du 28 septembre, 2009. Selon vous, ces massacres seraient planifiés par les proches du président Dadis, dont vous avez cité les noms.
Est-ce que vous pouvez me rappeler cette liste? Je n'ai pas parlé de planification. Je vous ai expliqué, ça a été une coïncidence et ça a été engendré, s'il le faut, par le président de la République. C'est clair. Si. C'était la position du président Moussa Dadis Camara. Hier, je reviens sur ma question. C'est ça. Hier, si vous permettez. Oui, maître. Hier, dans vos déclarations, vous avez dit que ce massacre avait été planifié par les proches de Dadis. Vous avez même cité le nom de Blaise, du colonel Blaise. Oui ou non? Perpétré. Mais pas planifié. Donc, j'ai parlé de coïncidence. Ok, perpétré par les proches. Voilà. Du président Dadis, oui ou non? Oui. Et vous avez même cité le nom du colonel Blaise. Colonel Blaise, actif dedans. Alors que. Et j'ai parlé bien pourquoi, où je l'ai planifié, je vous ai dit. Moi, je ne mélange pas, je n'accuse pas quelqu'un, citer quelqu'un comme ça. J'ai dit, l'affaire de Kalea, il y a. Bienvenu Lama. Il y a lui, Jean Pogomou. Il y a Blaise qui sont chargés d'encadrer depuis Kalea les jeunes là. Ceux qui maintenant qui sont chargés, parce que les Blaise et les bienvenus et lui, Jean Pogomou, ne sont pas du régime, ils ne sont pas à la présidence. Et ils ne sont pas de la présidence là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, Gono, Makambo, Théodore, pour ne citer que ceci, Georges, et ils sont de la présidence, et qui sont chargés par ordre du président, ils vont directement leur prendre faire venir. Voilà comment les choses se passent, je ne mélange pas. Et ça, je ne les accuse pas, c'est une réalité. Sauf que, voilà. Vos déclarations ne sont fondées sur aucun acte. Ah. Une question, pas de discussion, de commentaire de la réponse.